Le projet de ce livre, c'était de présenter un sujet qui est peu connu, mais qui a été très important. Ce sont les événements qui ont eu lieu entre 1960 et 65 dans l'exploration des fonds sous-marins. Et tout d'un coup, enfin rapidement, on a compris des choses qu'on ne comprenait pas depuis toujours, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment fonctionne la mer, les volcans, ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Et c'est quelque chose qui est peu connu. Et d'autre part, un des auteurs les plus actifs de ce domaine, M. Yves Lancelot, sa contribution était également peu connue. Donc le projet, ça a été de faire à la fois connaître ces intéressantes nouvelles, c'est un chapitre de l'océanographie qui est tout à fait fondamental, et la contribution de M. Yves Lancelot. Alors, c'est une collection qui s'appelle « Le quelque chose » expliquer à mes petits-enfants. Et donc, on a fait ce livre ensemble, lui étant l'autorité scientifique. Moi, je ne suis pas océanographe, mais on a fait ce livre ensemble justement pour des jeunes de, disons, de 15 ans. Je crois que l'âge, c'est à peu près. Il faut qu'ils connaissent déjà un peu le vocabulaire et qu'ils soient curieux. Le point fondamental, c'est ceux qui sont curieux, savoir comment ça marche, l'océan, la mer, les volcans et tout ça. C'est de la vulgarisation au sens ordinaire du terme.